Tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur un jeu que tout le monde connaît mais sur console et PC. Il existe aussi, ma amie m'a dit que ça existait aussi sur téléphone. Ce jeu, je pense qu'en voyant l'image, vous devez un petit peu comprendre ce que c'est. C'est assez bizarre comme jeu, je vais vous montrer. J'ai fait 2-3 matchs avant la game. Avant de vous montrer pour voir un peu les commandes, comment ça marche. C'est assez compliqué, mais au bout d'un moment, ça, on commence à s'y faire. Donc voilà, je vais vous laisser profiter de ça, et puis... Alors c'est un peu plus compliqué que la version... Hein. Parce que, je sais pas si vous le voyez, attendez, parce que j'ai ma touche de... Alors normalement, je vais vous montrer, ici on a le boost. Voilà, ici on a le boost. Oh, on peut se faire détruire. Vous savez, c'est la première fois que je me fais détruire dans ce jeu. Je m'étais pas encore fait détruire. Ok, aïe, ça fait mal. Oh merde, mais en fait, j'ai oublié d'avancer. Mais non, mais... C'est compliqué, on va dire, de jouer avec ça. Pourquoi j'ai appuyé sur left? Pourquoi? Pourquoi j'ai fait cette erreur? Désolé si le truc, mais c'est mon truc d'enregistrement en fait qui... Et en fait il est tellement mal placé que... Oh! Non! Ah non! J'ai trop les boules! Avance! Oh, je l'ai bloqué! J'ai bloqué ma voiture! Ah, c'est mieux. Si je tourne en rond aussi, ça va pas aller. Un peu de mal à contrôler la voiture en fait. Va revoir le replay. Mais putain, mais pour... Ok, c'est pas grave. Ah, ils vont marquer. Je sais pas pourquoi j'ai voulu appuyer sur... J'en profite pour bouger le... Pour bouger le truc d'enregistrement parce qu'il me gênait, il était en plein sur mes touches. En plein sur mes touches pour tourner, donc c'était un peu chiant. Je peux faire des marches arrière, j'avais même pas vu. J'avais même pas vu qu'il y avait la touche bug dessous. Allez au centre les gars! Je suis en train de tourner autour de la balle. Mais pousse-toi, débile! Il est bête celui-là! Je sais pas si c'est des ordi ou des vrais joueurs, par contre, j'en ai aucune idée. Eh non, je voulais sauter, je me suis trompé. Je me suis trompé entre le saut et le boost. Voilà. Oh non, je l'ai mal pris. Ah, il y a un overtime. Ok. J'avais jamais perdu encore jusqu'à maintenant. Bon ben voilà, c'était juste pour vous présenter une petite vidéo sur ce jeu, juste pour vous dire que si des gens cherchent Rocket League et qu'ils ont pas ni et qu'ils ont pas qui ont envie de jouer à Rocket League et qui n'ont pas de console ni de PC, ben vous avez genre de test sur téléphone. Bon, c'est sûr que par rapport au vrai Rocket League, le graphisme n'est pas du tout le même, mais vous avez vu que les
Les règles sont exactement les mêmes. Voilà, bon, il n'y a pas tous les modes de jeu qu'il y a sur Rocket League, c'est sûr, mais au moins ça vous permet de vous entraîner un peu, enfin de vous amuser un peu sur un jeu qui ressemble beaucoup au vrai. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye à tous!